Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo planeur pour vous présenter donc ce Traveler Notebook en format B6 que j'ai créé moi-même. En effet, depuis quelques temps, je songeais à m'offrir le nouveau Traveler Notebook qui est sorti donc chez Prima, le nouveau Traveler en format B6. Et puis étant donné que je change d'avis très très souvent, donc je suis passée du planner en format personnel, après je suis passée au traveler en format pocket, je suis retournée au personnel, je suis revenue au traveler format pocket, donc j'avais acheté celui de chez Webster Page, et puis finalement eh bien le format traveler me convient, mais le format pocket eh bien je le trouve malgré tout un peu petit, donc voilà. Comme je ne suis pas encore très fixée, je voulais être sûre que ce format me convenait avant de réinvestir quand même de l'argent dans un planner en format B6. Donc je me suis dit qu'en fait la solution la moins chère, ce serait de le faire moi-même. Voilà. Alors je vais vous le présenter, je ne ferai pas spécialement de tutoriel là-dessus, parce qu'en fait je l'ai créé en plusieurs jours, ça a été, de temps en temps je revenais dessus et puis je rajoutais quelque chose et puis ça a été fait un petit peu selon l'inspiration. Donc voilà, ça me sera un petit peu compliqué de vous faire un tutoriel. Par contre, je vais vous expliquer comment il est fait, avec quoi, etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je commence donc avec la présentation de ce Traveler Notebook en format B6. Je commence par les dimensions. Donc, il mesure à environ 15 par 19 cm. Je ne sais pas si c'est exactement les dimensions d'un B6, B6 standard, on va dire. Je me suis inspirée des dimensions qui sont indiquées sur le site Foxyfix. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de Traveler Notebook. Donc ils ont une boutique qui est très bien faite et ils ont notamment toutes les tailles, enfin tous les formats de Traveler. Et donc je me suis inspirée des tailles qui étaient indiquées sur ce site. Voilà. Alors, donc il se présente comme ceci. Ici j'ai rajouté donc ce nœud que j'avais trouvé à l'époque chez H&M. Voilà. Ici, un petit pompon comme ceci qui vient, je crois, de chez Action. Et donc, la couverture, elle est faite en plastique, en PVC, qu'on utilise pour faire les nappes. Donc, c'est vendu au mètre dans les magasins de bricolage comme Jiffy, etc. Donc là, j'ai pris quand même une couverture assez épaisse. C'est pas le plus épais qui existe, mais il est quand même assez épais, assez résistant. Et donc, quand je l'ouvre, en fait, la couverture, donc elle n'est pas accrochée au papier. Donc sous cette couverture en PVC, il y a donc une couverture comme ceci dans un papier de chez Prima. Je crois que c'est la collection Lavender Frost si je ne me trompe pas. Donc on a ici cette, entre guillemets, cette seconde couverture en fait comme ceci. Donc, la même chose à l'arrière. Voilà, donc cette couverture-ci en PVC et puis à l'arrière donc cette seconde couverture. Et donc en fait ces deux parties ne sont reliées que par l'élastique ici. Voilà, donc elles ne tiennent en fait que par l'élastique là au milieu, ce qui fait que si j'enlève l'élastique, je peux me séparer de cette couverture éventuellement et puis la changer. Ensuite à l'arrière, donc j'ai collé cette dentelle de chez Action, donc c'est de la dentelle plastifiée, pour la simple et bonne raison qu'en fait le plastique n'étant pas très très rigide, une fois que j'ai mis les élastiques ainsi que les carnets, eh bien ici ça venait se plier en fait comme ceci un petit peu à l'avant et à l'arrière, et je trouvais pas ça très joli. Raison pour laquelle donc en fait j'ai collé un morceau de plastique rigide et épais à l'arrière, et puis eh bien pour le cacher je suis venue mettre cette dentelle plastifiée avec cette petite frise dorée. Voilà. Donc en fait cette partie-là donc étant une seule partie, et puis dans cette partie-là eh bien j'ai fait les trous donc pour l'élastique du milieu ainsi que pour les élastiques intérieurs qui sont eux cachés par cette dentelle. Voilà, donc quand on l'ouvre, donc à l'intérieur de cette couverture en papier, j'ai fait deux pochettes, donc une dans le même papier, l'autre dans le même plastique PVC que la première couverture. Donc dans celle-ci, tenue par un petit paperclip ici en forme de licorne, j'ai mis un petit peu des petites planches de washi tape et puis quelques stickers ici de la boutique Kinaprint sur Etsy et puis ici de la boutique Linuspot également sur Etsy. Donc Linuspot qui est une tenue par une compatriote suisse, donc je vous mettrai également le lien de sa boutique dans la barre d'information.
Et donc dans cette seconde petite pochette en papier, j'ai mis un petit peu de washi tape comme ceci. Ici un petit une espèce de petit marque-page que j'avais fait donc avec un petit sticker de chez Prima que j'avais donc plastifié. J'ai découpé ici les jambes pour pouvoir en faire comme ceci un petit marque-page. Ensuite deux petits stickers comme ceci. Et puis donc cette carte d'entrée au parc Harry Potter, enfin au studio Harry Potter qui se trouve à Londres. Où nous sommes allés en octobre 2017. Et puis c'est vraiment un très joli souvenir. Donc voilà, je garde cette carte en souvenir dans mon traveler. Et puis ici un petit paperclip en forme de mug. Donc ce traveler comporte 4 élastiques. Pour l'instant j'y ai mis 3 carnets donc également de ma création. Le premier avec ce papier où j'ai surtout mis en valeur cette phrase que j'aime beaucoup de Einstein qui dit « The true sign of intelligence is not knowledge but imagination ». Le vrai signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance mais l'imagination. Voilà, c'est une phrase d'Einstein. Et comme ce papier était... et comme cette inscription est en rose gold, ça allait très bien avec la couverture ici. Donc ici c'est la couverture de mon premier carnet dans laquelle j'ai fait également une petite pochette pour mettre quelques sticky notes et puis quelques autocollants encore. Donc le premier carnet c'est donc mon agenda qu'on a vu par semaine. Alors, je ne vous montre pas ma semaine actuelle parce qu'il y a des choses inscrites un peu personnelles. Je vous montre une semaine vierge. Voilà, donc c'est un document Word que j'ai créé. J'ai aussi pas mal de questions à ce sujet, donc je tâcherai une fois à l'occasion de vous faire un tutoriel sur ces inserts que je fais sur Word. Bon, c'est vraiment très simple, hein. J'ai simplement inséré un tableau et puis je suis venue mettre les noms pour les jours de la semaine et puis une petite to-do list ici. Voilà, simplement je m'arrange pour que ça rentre au milieu de la page, donc que ce soit vraiment bien centré sur ma page A4, pour qu'ensuite, une fois que je l'imprime, eh bien, ça vienne s'imprimer exactement au même endroit, au recto et au verso. Voilà, toutes les pages sont pareilles. Je me suis fait ce marque-page qui est assez épais, donc il est transparent comme ceci. J'ai rajouté des petites choses de la boutique lanoub.com. Ici, donc ça c'est une petite carte de fidélité. Et puis ici, des petits échantillons qu'on reçoit gratuitement lors de nos commandes. Et donc j'ai fait ce marque-page assez large avec une pochette ici. Je l'ai fait assez large pour la bonne raison que lorsque comme ça je ferme mon traveler, eh bien en fait l'élastique vient ici contre ce marque-page et ça ne vient pas abîmer les papiers, les pages, etc. Ensuite, j'ai cette pochette plastifiée que j'ai utilisée, que j'ai créée en utilisant mon outil Photo Fuse Tool. J'ai ici deux cartes Project Life et puis ce petit die cut qui vient aussi de la boutique de chez Lanoub, une petite fée absolument adorable. Et puis donc à l'arrière, j'ai donc des photos de moi et de mes enfants avec ce petit die cut également de chez Lanoub avec donc, ce petit Harry Potter. Ensuite, j'ai un deuxième carnet donc, pour la vue mensuelle, donc avec ce petit die cut toujours de la boutique de chez Lanoub. Donc ça, c'était un kit sur La Belle et la Bête, voilà, avec ce die cut qui est absolument magnifique, que je retiens avec un paperclip en forme de petite robe qui m'a été offerte par mon amie Agnès. Et puis donc, on a ici la vue mensuelle. Voilà, donc de nouveau un insert que j'ai fait simplement sur Word, que j'ai décoré. Je vous montre une page vierge, comme ceci. Donc de nouveau, j'ai simplement inséré un tableau comme ceci, et puis j'ai rajouté les jours de la semaine. Et puis en haut, j'ai donc la place pour écrire le mois. La couverture de ce carnet, c'est un papier d'un bloc de chez Action, qui était donc uniquement comme ça, c'est un bloc de l'année passée je crois, avec des fonds comme ceci, de style marbre, comme ça, il y en avait avec du rose gold, avec je crois de l'argenté, enfin il y avait ce bloc qui est absolument magnifique. Ensuite j'ai un morceau de vellum comme ceci, que j'avais acheté très 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 longtemps, que j'avais dans mes affaires, donc je me suis dit que ça serait joli pour décorer ce traveler.
Donc le carnet suivant, c'est un papier, je crois, d'un bloc de chez Craftsmith, si je ne me trompe pas. J'ai ajouté ici ces stickers un petit peu chipboard, comme ceci, en rose gold. Et puis ce chipboard autocollant, que j'ai aussi depuis très longtemps, je ne saurais plus vous dire d'où ça vient. Donc ce carnet qui s'appelle Good Vibes, c'est un carnet où je vais noter, je noterai peut-être des pensées, des souvenirs, j'y collerai, je pense, des photos, peut-être des tickets de cinéma ou autre, enfin des choses où j'aurais envie de garder des petits souvenirs. Comme ça j'aurai un petit carnet pour noter tout ça. Ensuite, donc, on a l'arrière du vellum et puis donc, on a ensuite l'arrière de la pochette plastifiée, donc où je mets où j'ai fait en fait quatre petites pochettes comme ça, j'ai créé quatre petites pochettes et puis pour pouvoir y mettre donc, des photos et puis deux trois petites choses décoratives. Pour l'instant j'ai pas mis grand chose, j'ai mis aussi ce petit die cut qui vient aussi donc de la boutique de chez La Noob, hein, vraiment décidément elle a envahi mon petit traveler, hein, mais enfin je les trouve tellement jolis ces petits die cuts que j'avais vraiment envie d'en profiter. Et puis le dernier carnet, je l'ai décoré comme ceci, donc avec des stickers qui viennent d'un bloc de chez Mambi. Et puis donc il s'appelle List parce que bien comme vous vous en doutez, eh bien, il va comporter tout un tas de listes. Donc autant des wish list ou des listes de choses à faire, des listes d'idées de cadeaux que j'ai, etc. Enfin, voilà. Et puis donc à l'arrière, j'ai donc créé de nouveau deux pochettes. Donc une fois comme ceci, papier, et puis une fois donc en plastique, donc toujours ce même plastique épais, où là j'ai glissé cet ATC que j'aime particulièrement, que j'avais reçu lors d'un échange. Et je ne m'en sépare jamais, elle passe d'un planeur à l'autre et d'un traveler notebook à l'autre. Donc elle va dans cette petite pochette transparente. Ici j'ai juste un petit trombone Love. Et puis donc ici, dans cette pochette, des petites choses, des petits dessins de mes enfants, hein, des cartes de visite, etc. Voilà, bah écoutez, c'en est terminé de la présentation de ce traveler fait maison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le créer et puis je pense que je vais sûrement encore travailler dessus, modifier certaines choses, etc. Et puis je verrai bien à la longue, dans le temps, comment il se comporte dans mon sac à main, etc. S'il résiste bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous utilisez un planeur, si oui, quel format. Ça m'intéresserait pour mieux vous connaître. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao !